Lors du temps additionnel de Nantes PSG, Tony Chaperon est tombé à cause de Diego Carlos. Et a tenté de se venger. C'est une scène surréaliste qui a eu lieu à la Beaujoire. Dans le temps additionnel du match Nantes PSG, Diego Carlos a fait tomber Tony Chaperon en lui rentrant dedans. À terre, l'arbitre a eu un geste d'énervement et a tenté de faire tomber le Brésilien en tendant la jambe. Dans la foulée, il a averti le défenseur de Nantes et l'a expulsé, puisque c'était son deuxième jaune. Comme le prévoit le règlement, il a ensuite accordé un coup franc pour le PSG, à l'endroit où Diego Carlos l'avait poussé. Un enchaînement d'événements que personne n'a bien compris sur le terrain et en tribune.